Salut, salut la famille. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous recevoir à nouveau. Aujourd'hui, la famille, nous allons un peu vlogger ensemble. Au menu du jour, on a prévu faire des légumes sautés accompagnés de plantains, mûres et du manioc en fait. On a un peu mixé. Comme la dernière fois, je crois qu'il y a une vidéo dans laquelle vous avez vu où je faisais mon légume sauté. C'était tellement bon, vous avez tellement apprécié. Donc aujourd'hui encore, j'ai décidé encore de refaire ce menu là. Donc restez scotchés sur la page, ça sera la fin. Commencez déjà à liker la vidéo, également à partager. Et n'hésitez pas également à nous dire depuis quel beau pays vous nous suivez. Et la famille, une dernière chose, s'il vous plaît, abonnez-vous à la page. Maintenant que tu devais aller mon chien. Bon, la famille, là j'ai fini de déboucher le concombre. J'ai fini avec le plantain et le manioc. C'est quoi Andréa? Maman est en train de parler. De quoi? Il y a maman qui parle. Tu pleures quoi? Laisse ne pleure bien. Ça va, ça va. Ça va. Ça va, non, ça va. Je vais mettre la musique, ça va. Dans la famille, comme je disais, j'ai fini avec le complément. Maintenant, ce que je vais faire, je vais nettoyer également les tomates, carottes, oignons et ail. Ensuite, je vais nettoyer les légumes. En fait, je vais tout nettoyer, apprêter avant d'allumer mon feu parce que je vais faire sur le charbon. Et sur le charbon, ça part un peu plus vite. Donc, je ne veux pas finir. Je ne veux pas bouillir le plantain quand les légumes ne sont pas encore prêts. Ou alors les tomates ne sont pas encore découpées. Tout. Donc, je vais tout nettoyer. Ensuite, je pose au feu. Là, ça serait plus facile pour moi. Et mon charbon ne doit pas partir pour rien. Donc, la famille, on se prend juste après avoir fini de nettoyer tout ce qu'il faut nettoyer. Bon la famille, j'ai fini d'apporter tout ce qu'il fallait apporter, mais on va nettoyer ensemble donc. Bon, la famille, on a tout nettoyé ensemble. Maintenant, je vais allumer mon feu de charbon.
petite pause. Elle va pleurer les vraies larmes maintenant, ma soeur. Tout à l'heure, elle pleurait seulement doucement. Avec les oignons, elle va pleurer les vraies larmes. Mais je me dis aussi que ça veut dire que seulement parce qu'elle va sommeiller. Généralement, à l'heure, c'est d'or déjà. Donc, je finis ça. Je lui donne le 5 d'abord. Donc, on continue avec la vidéo, n'est-ce pas, la famille? Il y a tellement de bruit autour de moi. J'espère que vous m'écoutez. Entre temps, si vous nous regardez jusqu'à présent et que vous n'êtes pas encore abonné à la famille, abonnez-vous. Dites-nous en commentaire depuis quel beau pays vous nous suivez. Partagez également la vidéo, c'est très important. Là, ça va nous permettre d'agrandir notre belle communauté. La famille, on se dit à tout de suite. Je prends la boisson d'Andrea. Attends, maman va te prendre. La famille. J'ai fini de couper les tomates. Ça va. Pas bon, maman. Bon, la famille, voilà ma tomate qui est finie de couper. Ici, là, c'est. Ce sont les oignons. Les oignons avec les carottes et ainsi que la viande. Je vais mettre le ail également sur ceci. Ce que je vais faire, je vais d'abord bouillir ma tomate, parce que ça doit cuire avant qu'il va verser les autres condiments là. Donc, je fais d'abord dormir bébé André, je crois qu'elle a sommeil. Je fais d'abord dormir bébé André et on se dit à tout de suite. Bon, la famille. Enfin, mon légume est déjà prêt. Ce qu'on va faire maintenant, je vais déposer la marmite au feu, on va verser la tomate à l'intérieur. Et puis, on va continuer avec les coups. Sans vous mentir, je suis fatiguée, je suis à bout. En même temps, je suis en train de faire autre chose. En même temps, je suis en train de cuisiner. C'est pas évident. Et en même temps, je prends soin de bébé Andrea. J'ai peu la flatteuse parce qu'elle est en train de dormir. Donc maintenant, on continue avec la préparation de notre nourriture. Retirer mes légumes dans l'eau, donc c'est déjà tout fait. Bon, la famille, ce que je vais faire maintenant, il y a encore un peu l'eau sur la tomate. Ce que je vais faire, je vais rajouter mes carottes, mes oignons et ainsi que le ail avec la viande, avec le poisson que j'ai acheté ainsi que mon cube qui est facultatif, c'est pas obligé. Avec le piment, j'aime bien le piment. Même comme mon mari n'aime pas le piment, je vais quand même mettre un peu. Je vais le lancer dans. Je rajoute comme ça. Et puis je vais remuer un peu et ensuite je vais fermer la marmite. Pour que ça mijote un peu. Donc c'est déjà tout fait. Bon. La famille, il fait extrêmement chaud. Pardon. Les abonnés qui nous suivent depuis Douala là, venez me dire en commentaire si je mens. Il fait extrêmement chaud à Douala de toute façon. Comme je vous ai dit tantôt, j'étais en train de préparer. En même temps, j'ai profité, je lavais les toilettes. J'ai fini de laver tellement, j'avais transpiré. Et comme on a mis la tomate au feu ensemble avec les carottes, on a laissé la marmite aujourd'hui. J'avais tellement transpiré, c'est bien que je dis, c'est mieux d'avoir que je prenne un bain. Là, absolument que je me lave. J'étais déjà tellement mal à l'aise dans ma peau. Et que je me lave un peu. Donc, entre temps, quand je me lavais, l'eau a séché sur la tomate. Comme c'était un cas de l'eau. L'eau a séché. J'ai demandé à mon fils là de rajouter l'huile. Maintenant, il a rajouté l'huile. Je vais un peu vous montrer à quoi ça ressemble. Et on va mettre les légumes ensemble. C'est ça. Et de la nuit.
Ensuite, maintenant, ajoutons nos légumes. Bon, je vais mettre au fur et à mesure. Je vais pas mettre tous les légumes ici, parce que j'ai comme l'impression que la tomate est petite. Donc, on met un peu. La famille, ça vous mentir, non. Maintenant, je suis à l'aise. Dès que j'ai fini de prendre mon bain là, j'ai commencé à ressentir la fraîcheur. Bon, la famille, je crois que je vais finir par mettre le tout, hein. Je vais là, on peut ça va se faire. C'est bien de rester au village avec la grand-mère. Quand je restais encore avec ma grand-mère au village, je pouvais porter la mamie au feu sans le torchon. Mais aujourd'hui, quand j'essaye, ça me brûle. Tellement mes mains sont devenues souples. Quand on est en ville, on reste avec les torchons. La vie au village, franchement, c'est doux, la famille, je vous assure. On va faire une vidéo où on va aller au village tous ensemble, le père, moi et tout le bébé Andrea. On va un peu rester là-bas. Même pour 2 à 3 semaines. Ça vient un peu papa, ça fait un bain. On n'a pas vu papa. Même comme il est plutôt dans la terre, mais on se voit quand même. On se voit quand même. Dans la famille, voilà la texture. Vous-même, vous voyez. Regardez comme c'est beau à voir. Hein? Regardez vous-même comme c'est beau à voir. Donc, on va finir de bien comme ça là. On laisse encore mijoter. Désolée la famille. Le père est en train de dormir, je ne veux pas le réveiller. Donc pour la tête, je me détruis. Et puis la mamie ne fait que partir à gauche à droite, à gauche à droite. En attendant, bébé Andrea s'est réveillé. Dieu merci. C'est fini. Ouais la famille, c'est bon. La famille. Tellement il faisait chaud. Tandis que les mères pouvaient sur les dessins. Tellement il faisait chaud, je suis allée chercher le fleur. Bon, regardez. Les légumes sont enfin prêts. Le plantain et le manioc étaient prêts depuis. Maintenant, passons au service. Quatro, se é, pode ter um jeito, tá? Não, 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 não
Enfin, c'est prêt. Mais c'est pas manger et il me note comme je l'ai noté la dernière fois. Il me donne une note. Souvent, je crois quand même que le service est parfait. Salut la famille. Je sais que depuis le début vous ne m'avez pas vu. Il y a les parties que je filmais. Après, je me suis endormi. Elle a continué à filmer. Donc, je mange et je note. Je n'ai pas bien ramassé. On mélange bien. C'est ce que m'a fait la dernière fois. Hein? Oh, on mélange bien. Non, tu refais ce que je t'ai fait. Bon, je n'ai même pas besoin de manger plus de feu pour apprécier. Super. Je lui donne 19 sur 20. Un point à l'heure. C'est mon point de la dernière fois que j'ai été ici. Moi j'avais raison de te retirer le point là. Parce que tu m'avais mis la pâte. Tu aimes les pâtes de poulet. André a pleuré la chaleur, j'ai enlevé son haut. Je sais pas, on clôture la vidéo comme ça non? Mm-hmm. Vas-y alors, clôture. Bon, la famille, je suis juste ici. Si vous n'avez pas liké la vidéo, n'hésitez pas de liker la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, ne regardez pas juste la vidéo et vous partez. Abonnez-vous. Partagez la vidéo si possible. Si vous voulez à Ainsbet, utilisez le code promo TATCHAMP pour avoir 200% de bénéfices à votre première recharge. On va se voir prochainement dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien comme d'habitude. Bye bye. Yeah.